soin peu courrier à c'est mon oua péché c'est nommé ou grand bête la remède toutes les la caille ou pas besoin peu courrier à c'est mon oua péché c'est nommé ou grand bête la remède tout clé la caille. Sans marée, la vraie marée, ni sans la gueule, la blague. C'est sous bon Dieu posé l'église petite lit. Où pas besoin peur qu'on y ait, c'est mon oua péché. C'est nommé un grand main, la remède, tout les la caille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, l'Église célèbre dans la joie la chair de Saint-Pierre apôtre. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Tu es tout puissant, nous te chantons et nous proclamons.
acclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'Agneau de Dieu. Tu es notre frère. Joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte, qu'on pour toujours, il donne sa paix. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque tu nous as établis solidement sur la pierre de la foi confessée par ton apôtre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre, chapitre 5, les versets 1 à 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte. Moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se relever. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevez la couronne de gloire qui ne se fleurit pas. Parole du Seigneur. Méditons dans le psaume 22 et nous chanterons. Juste chemin pour l'honneur de son
pourrait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce, bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 16, du verset 13 au verset 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, le Seigneur, est vérité, et ta loi. Jésus, avec disciples, Jésus posait une question, et suite l'évangile, s'il te continué, nous t'a dit, Jésus posait une question, ensuite il fait une annonce.
n'a prêté seulement dans la question, hein, parce que l'évangile, je dis, il campé dans verset 19. Là. Jésus posait une question qui gagnait un double volet là-dedans. D'abord, question 1, c'est demander, monsieur, yo, ça autant de yo dit de moi, ou du moins, qui laisse, qui moun, nous tende yo dit moi yé. Et deuxième aspect dans la question 1, pour nous-mêmes, qui est-ce moi yé. Nous parlons que monsieur dit tout ça autant de. Mais maintenant, qui ça, ou bien qui est-ce Jésus yé pour yo? Pierre pralbaye une réponse. Et réponse ça, c'est l'esprit qui révèle. Autrement dit, c'est bon Dieu lui-même qui parlait dans Pierre, qui permet que Pierre lui découvre dans Jésus le Messie, l'envoyé du Père, le Fils de l'homme. Donc, ce n'est pas la chair et le sang. Leur parler de la chair et le sang, nous voyons la fragilité de l'homme, l'homme avec ses faiblesses, avec ses limites, mais plutôt, ça, Pierre dit, c'est l'esprit qui révèle. Et Jésus dit, il dit Simon, où c'est Pierre? Pierre, n'entend Jésus, hein, c'est premier monde, ou du moins c'est première fois que il va relayer au monde comme ça. Pierre, et c'est Jésus lui-même qui bâille Simon, non ça. Pour qui ça? La pierre est symbole de solidité. Pierre, non langage araméen, yo parle de Kepha, grec landou Petros, latin dou Petrus, et français a dit Pierre, roche, c'est solidité. Ça veut dire qui ça? L'église Jésus cria, parce qu'elle dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église, Christ dans l'église, Jésus criant, l'irrité solide, parce que c'est l'église du Christ. Maintenant, l'église ça, l'imandait tout le temps pour toujours sous mouvance de l'esprit, de telle sorte que les responsables de cette église, sous la mouvance de l'esprit, c'est pas eux-mêmes qui agissent, autrement dit, c'est pas la chair et le sang qui agissent, mais c'est le Christ lui-même qui agit dans son église. Et puisque yo sous mouvance l'Esprit Saint, l'église l'a été solide, et puisque le solide, on y est pas capable d'ébranler parce que c'est l'église du Christ. C'est ça, Pierre. Donc, frère Maxime, je dis à la célébration ça, qu'on a célébré la chair de Pierre, Pierre qui s'est premier parmi douze, le primum inter pares, on nous l'a prié davantage pour l'église Jésus-Christ. L'y pas jamblié, ou du moins, l'y toujours mettait à l'écoute de l'esprit, pour c'est l'esprit qui toujours a agi en dans l'église là, pour c'est pas jamais la chair et le sang qui a agi, mais c'est l'esprit. Et là, c'est l'esprit qui a agi. Même Jean, l'esprit a révélé Pierre que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé du Père, il est le Messie. Le ça, l'Église l'a continué à accomplir mission, l'a continué à rester salier, l'Église qui est le Christ continué. On nous continue, frère Maxime, la prière pour l'Église, Jésus-Christ, pour c'est l'Esprit qui continue à révéler l'Église, ça pour le fait, pour l'Église, Jésus-Christ, toujours rester salié, car c'est l'Église du Christ et l'Église du Christ doit être toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, jamais sur la chair et le sang. Amen. Thank you.
mais nous, prends-nous chaud, c'est petit, tout nous, puis regardez-nous. Béant, activez-vous, prenez-vous souple, papa, veillez-vous tourner corps, à son petit, toi. C'est petit tout nous, puis regardez-nous. Grand maître nous met nous, prends-nous soin nous, c'est petit tout nous, puis prions ensemble pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte l'offrande et la prière de ton Église, puisqu'elle tient de l'enseignement du bienheureux Pierre l'intégrité de la foi. Fais que sous la conduite d'un tel pasteur, elle parvienne à l'héritage éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par cela même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur Clara, Régine, Théodore et enfants, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, à Aloud, Laura, François, Altagrace, Innocent, Baptiste, Benito, Barbara, Horacius, Belinda, Jonaïda, Benoît, Claude, Carl, Yuri, Téléus, Cassandre, Nancy, Américain, Christelle, Jameau, Elsie, Ludovic, Elpidia, Auguste, Frances, Muscadin, Envilus, Horacius, Barbara, José, Barreau, Josette, Margot, Solon, Louis, Drine, Charles, Marguerite, Berthe, Maresco, Marie, Annette, Laguerre, Marie-Louise, Bajon, Révérend Père Colin, Lionel, Rockney, Rose, Mi, Yannick Saint-Éloi, Délice, Barbara Horacius, Donaldson, Rotila Baptiste, Edna Semexan, Holguin, Louis Don. Sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. T'en prie pitié pour nous, Jésus-Christ, mouton bon Dieu, qui ouait tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous, Jésus-Christ, mouton bon Dieu, qui ouait tes péchés sous terre. Apprends-nous vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Corps et sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
l'engade, ciel acteur, ouvrage même avec vous, belle bagaille, ou mettre la noyau, faut nous dire, faut nous chanter, merci, merci, bon Dieu. Merci bon Dieu, parce qu'on s'en paraît. Merci bon Dieu, merci. Tout ça créé, dépasse les limites nous. Mais c'est pour nous, la natia, bel pied bois avec bon fuit, son immense cap déplacé, fort nous dit, fan chanter, c'est vrai, à l'amour bon. Merci bon Dieu, parce que merci mon Dieu, merci. Tout ça créé dépasse les limites nous, mais c'est pour nous bon Dieu, parce qu'on s'en paraît. Merci bon Dieu, merci. Tout ça créé dépasse les limites nous, mais c'est pour nous faire. Tout ça créé dépasse les limites nous, mais c'est pour nous. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où nous sommes rachetés soit pour nous sacrement d'unité et de paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous disons merci à l'équipe de prière, merci à l'animation, merci aux techniciens de la RTA, merci à chacun et chacune de vous. Et je vous souhaite, sœurs et frères bien-aimés, de passer une excellente fin de journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci beaucoup.
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Le rythme de ta joie, ô Seigneur, avec moi, entonne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.